Alors, le gymnase, espace culturel, accueille une exposition montée par les graphistes byzantins de l'association Comme que Comme. La principale question, c'est qu'est-ce que le graphisme? Quelles sont les différentes facettes du métier de graphiste? Qu'est-ce que la typographie, le pictogramme, le logotype, l'image, mais aussi, c'est très important, la relation au client, le budget, la commande, etc., etc. Et il nous propose un éclairage sur un vocabulaire spécifique qui est devenu parfois courant, comme le logotype, qui est devenu le logo, tout simplement, quoi. Comme que Comme, c'est une association de graphistes. À l'origine, des agences de publicité aussi, c'était créé pour défendre un petit peu la profession de graphiste. On a toujours à cœur de défendre notre métier et de savoir comment faire pour le défendre. On a pris des définitions du dictionnaire pour voir ce que disait le dictionnaire. Et comme ça ne nous convenait pas, on a dit voilà, ben on va compléter. Alors c'est par d'une définition du dictionnaire et ensuite de notre définition qu'on a mis en commun, où il y a eu débat, où on a longtemps discuté, pour trouver quelque chose qui nous correspondait à tous et qui était essentiel à dire. Quand on fait le tour de l'exposition, on arrive au Salon des Refusés. Alors le Salon des Refusés, c'est parce qu'on fait tous beaucoup de maquettes qu'on présente aux clients, et qui ne correspondent pas forcément à la demande ou qui ne répondent pas à l'attente du client très précisément ou pour une raison X ou Y. Et ce n'est pas forcément des mauvaises maquettes. Donc on s'est dit, on va quand même les montrer, on ne les voit jamais. L'exposition se tient du 21 avril au 17 mai. Alors l'entrée est libre. Tous les dimanches à 16h, il y aura des visites accompagnées et des rencontres avec une ou un graphiste. Nous recevons également des groupes ou des scolaires. Alors pour cela, il faut prendre rendez-vous pour qu'on adapte notre proposition. L'exposition est ouverte tous les jours du mardi au vendredi de 14h à 18h et les samedis, dimanches et jours fériés de 15h à 18h, sauf le 1er mai où ce sera fermé.